Si, mais grave, jusqu'à mes 20 ans, j'ai vécu dans la même chambre que ma petite sœur, en lit superposé. J'en pouvais plus. J'étais trop contente d'avoir le lit du haut, mais bon, au bout d'un moment, ça y est, il vient un âge où t'as envie d'avoir ton intimité, où t'as tes premiers émois amoureux, en tout cas mon premier amoureux à qui j'avais envie de parler jusqu'à pas d'heure. Hein, on connaît tout ça. Oh là là, bien sûr que si. Enfin, j'ai fait des... C'est pas des grosses crasses, mais c'est plus moi qui allais embêter mon frère, où nous, on se battait beaucoup, et donc j'allais le chercher, lui mettre des coups comme ça derrière la tête, très très énervant, où on appelait ça des cocos, c'est avec ses deux doigts. Coco, on faisait comme ça, et après, dès qu'il se retournait, qu'il allait pour me taper, « Maman !» Je criais, je disais, « Il va me taper !» Et elle disait, « Lâche ta sœur !» Et donc toujours, lui, il avait les nerfs, et moi, j'étais là. Non. J'ai jamais été... En fait, j'ai déjà eu 1000 situations gênantes où je me suis ramassée dans la rue, où j'ai fait ma belle, où... Si, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Mais autant que mon personnage de Salma dans Demi-sœur, non, quand même pas. Très jeune, j'ai surpris une de mes meilleures amies et embrasser mon grand frère. Voilà. Donc ça, c'est vrai que j'étais surprise. À la fois, je savais que ça faisait longtemps qu'elle était amoureuse de lui, mais là, je me suis dit... Ah. Bien sûr. Non, je n'ai jamais eu de relation sexuelle dans un ascenseur. Voilà. je me suis pas prise pour Rihanna, mais en tout cas, du moins, il y a un moment où parfois, ça m'est déjà arrivé de me mettre un coup de pompe, un coup de pied, et de me dire, allez Sabrina, il faut que tu ailles, il faut que tu fonces, faut que tu ailles de l'avant, et puis faut pas qu'un jour tu puisses avoir des regrets, donc fonce, et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Non, mais en fait, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Genre, je suis sortie, je sors très très peu et tout, vraiment en boîte de nuit. Je préfère faire des soirées entre potes à la maison, faire des tournois de 8 américains. Mais pour le coup, le peu de fois où je suis allée en boîte de nuit, une fois j'ai croisé le copain de ma copine, et du coup, j'étais là avec mon téléphone comme ça, mais vraiment en espionne. Vraiment, j'étais là, je frôlais le mur, c'était n'importe quoi. J'ai en mission impossible totale, en enquêtrice, et du coup, j'essaie trop de détecter quelque chose si jamais il parlait avec une fille, si jamais il embrassait une fille. Alors là, n'en parlons pas, je sais même pas si je crois que je lâche le téléphone, je vais le pousser. Bon, finalement, il s'est rien passé, mais je me suis emballée et ça m'a occupée pendant une heure. non, jamais. J'ai jamais. Si, j'ai n'importe quoi. Le retournement en deux secondes. Si, ça m'est déjà arrivé de faire des FaceTime parfois avec des amis, notamment Franck Gastambide, où il commence à me faire des grimaces ou des trucs à la con vraiment, et où je le prends en photo pendant qu'il est en train de me faire des trucs comme ça, et après je lui renvoie la photo en lui disant « Alors maintenant mec, quand je vais te demander de me ramener le petit-déj à la maison ou je ne sais quoi, tu vas venir parce que sinon je diffuse cette photo sur les réseaux sociaux et tu vas voir que ton image de beau gosse va en prendre un coup. » Mais bon, même en faisant une grimace, il est beau gosse, donc ça marche pas vraiment, mais j'ai tenté. Oh, bien sûr que si, j'ai totalement imaginé devenir prof. Surtout que, si j'avais pas été actrice, je pense que, ce que je voulais faire, c'était être journaliste ou prof de sport. Donc, si, totalement. Ouais, mais dans le sport. Si, ça m'est déjà arrivé. Ouais, on va pas se mentir. En tout cas, ça m'est déjà arrivé d'aller chez le médecin, ou en tout cas aux urgences, où il y avait un infirmier qui était pas mal du tout. Et par contre, je vais pas réinsister, j'y retourne pas et tout ensuite, mais pendant l'espace d'un instant, en tout cas quand j'y suis, je suis là, je regarde, je fais des sourires. Ouais, je suis souriante, j'ai envie qu'il ait une bonne image de moi, quoi. Mais moi, je suis pas une dragueuse, donc je vais pas plus loin. Mais voilà, ça a duré le temps de quelques secondes, j'étais un petit peu en mode sélection. Jamais. Bien sûr que j'ai déjà fait ça. C'est pas bien du tout. Et en plus, surtout quand tu te rends compte du nombre de minutes que tu gagnes. Mais quoi?
Mais grave. Attends, il y a dans tous les sens du terme. Moi, j'ai un chauffeur de taxi qui est excellent. Peut-être qu'il y en a qui l'auront déjà rencontré. Parce que quand je l'avais posté sur mon Instagram, enfin en Insta Story, j'avais reçu plein de messages de gens qui le connaissaient. C'est un mec qui a une sorte de karaoké à l'intérieur de son taxi. Excellent. Et donc, il te met plein de musique. Même, tu peux choisir tes musiques. Alors, c'est beaucoup de variétés françaises. Il te donne un micro. Il a un micro et le mec, il est là avec son micro et il chante « Ne la laisse pas tomber ». Elle est si fragile, être une femme. Elle est là comme ça. Et moi, je me suis totalement emballée. Libérée, nanana, tu vois. Donc, j'étais à fond dedans. Donc là, c'est dans le côté bar, mais cool. Trop bien, festif. Donc ça, c'est moi, j'adore et j'aimerais trop le recroiser pour le coup. Non, j'ai jamais été arrêtée par des flics chelous. C'est moi qui suis une relou. Je me suis déjà fait arrêter plein de fois. Et sauf que ça m'a mis j'ai mis du temps à comprendre que c'est pas en étant énervé que les choses allaient s'arranger. Tu vois, au tout début, j'étais, mais non, mais pourquoi? Mais moi, je suis tout de suite dans un truc d'injustice, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? En plus, c'est jamais pour des trucs de j'ai grillé un feu rouge ou quoi que ce soit, loin de là. Hein. Ça m'est jamais arrivé pour le coup. Ah si, ah ouais, si. Pas quand je conduis, pas du tout. Mais par contre, justement, quand je suis pas maître du véhicule, pas maître de ma vie. Si, ça m'est déjà arrivé d'en faire, en tout cas, donc d'accompagner Franck Gastambit qui s'entraînait pour les cascades de taxi. Mais moi, c'était des toutes petites cascades, c'était genre des têtes à queue ou des choses comme ça, mais ou des pratiquement 360 degrés.